Hola chicos, bienvenue à Fuerteventura, ou plus précisément au large de Morro Rablé, au sud de l'île, dans la fameuse péninsule de Randia, et à 7 km du flambant neuf Club Lucas Alua Village. Vous passerez forcément dans cette agréable station balnéaire durant votre séjour. Et y trouverez toutes les commodités nécessaires et plein de boutiques, bars ou restaurants. Direction maintenant la célèbre Playa de Esquinzo, à 10 minutes en voiture, où se trouve le Club Lucas. Une petite zone hôtelière bâtie à flanc de falaise volcanique et au pied d'une plage aussi jolie que propice à la baignade. Et qui se distingue par son prestigieux label Pavillon Bleu. Ça y est, nous voilà au Club Lucas Alua Village qui vient tout juste d'ouvrir ses portes en mai 2019 après s'être offert une deuxième jeunesse durant l'hiver, puisque rénové du sol au plafond. Et j'ai vraiment hâte de le découvrir en votre compagnie. Regardez. Alors, vous avez vu? Franchement, pas mal, non? Et comme moi, je suis persuadé que vous avez été plus qu'agréablement surpris par l'ampleur des travaux réalisés. Une vraie montée en gamme pour ce Club Lucas Alua Village qui devrait satisfaire les plus exigeants d'entre vous. Alors, en gros, si je résume, on est hyper bien situé dans la péninsule de Randia à quelques kilomètres de Morro Rablé, avec une vue imprenable sur Playa de Esquinzo, dans une structure à taille humaine comme on les aime, à la formule tout inclus de qualité, et surtout aux magnifiques chambres presque chic, à la décoration épurée et design, qui d'après moi font tout simplement partie des plus classes de tous nos clubs Lucas. Bref, vous connaissez la formule? Encore une lucaisation réussie! Allez, salut! Au fait, si vous voulez en savoir plus sur Fuerteventura, ne ratez pas la partie destination de ce reportage.